L'arbitre, M. Ernest Vignali-Verdon, et ses deux juges de touche, M. Salvador Yanner et Jean-Claude Reverchon-Viverdon. En écoutant l'hymne national, M. Kurt Fugler, président de la Confédération, et Saint-Gallois d'origine, avait l'air un petit peu crispé. Il est caché ici. Les Young Boys vont enlever leurs survêtements. Je vais vous donner la composition des deux équipes en présence. On souhaite que ces deux équipes soient dignes de l'événement. L'affiche constituée par le match Young Boys Saint-Gall n'est pas très, très alléchante. En tout cas, n'a pas été considérée comme telle en Suisse romande. Mais le football étant ce qu'il est, on peut attendre de cette partie qu'elle soit bonne. Alors que l'an passé, une affiche très, très séduisante, Servette-Zurich, avait déçu les spectateurs et les téléspectateurs. La formation saint-galloise, la voici sur impression. Schwepp dans les buts. En défense, Fouts numéro 2, Brander numéro 4, Stöckel numéro 5 et Bigler numéro 3. C'est la défense traditionnelle. En milieu de terrain, Oetli numéro 7, Graf numéro 6, Hans Nigel numéro 8 et Mogg numéro 11. En avant, Ries numéro 9, Blättler numéro 10. Un absent donc, Schneeberger. Chez les Young Boys, dont voici la formation, Eichenberg dans les buts, Brechbühl numéro 3, Vögli 16, Mast 11 et Redman 13. En défense, en milieu de terrain, Odermatt numéro 12, Brutin numéro 4, Konz numéro 6, Andersen numéro 2. Et en avant, Kutel numéro 8 et Loretz numéro 10. Le capitaine Rolf Blättler, troisième finale de coupe. Jamais de victoire jusqu'ici, à gauche pour Saint-Gall. Et le gardien des Young Boys, Eichenberg, Walter Eichenberg, qui est lui capitaine des Young Boys en l'absence du capitaine habituel Trumpler, qui est blessé depuis un certain temps. Donc, M. Guignet-Liverdon va diriger les opérations ici devant, à notre sens, 28 000 spectateurs à peu près. Il y aura certainement, par le haut-parleur, l'énoncé de l'affluence aujourd'hui au Wangdorf. Comment les équipes se sont-elles qualifiées? Les Romands et particulièrement les Lausannois et les Carougeois s'en souviennent certainement. On sait que Saint-Gall a éliminé Adliswil 6-0. Winterthur 1-0, Sion 1-0 après prolongation, et Carouge en deux fois 0-0 et 4-2. Monsieur Dormat dans les mains. Les Young Boys, eux, ont éliminé l'Erschenfeld 6-3, Chaudfonds 6-3, Zurich 2-1, et puis Lausanne après 120 minutes de jeu à la parenthèse dans les dernières secondes par Kutel par 1-0. Young Boys à droite, tout de jaune vêtu avec Konz dans l'image, Kutel et puis légèrement en retrait, Carly Odermatt, Saint-Gall en vert, culotte blanche à gauche. Stöckel pour Saint-Gall. Nigel. Nigel pour Blättler au centre. Il y a Nigel, interception Vögeli. Konz sur une passe de Odermatt. Eichenberg. Je rappelle que pour Saint-Gall, c'est la troisième finale. Première finale en 45 contre les mêmes Young Boys. Victoire des Young Boys 2-0 après prolongation. Et victoire saint-galloise en 69 face à Bellinzone par 2-0. Pour Young Boys, c'est la septième finale.
Sur 6 participations, les Bernois ont gagné 4 fois en 1930, en 1945, nous l'avons dit, contre Saint-Gall, en 53 contre les Grasshoppers et en 58 contre les mêmes Grasshoppers en 2 fois, 1 à 1 et 4 à 1 lors du deuxième match. C'était la dernière grande victoire des Young Boys en coupe en 58. Cela fait 19 ans que l'ours bernois n'a pas eu de miel à se mettre sous la patte. Dettler, puis Feugele pour Young Boys. Lorenz, bien joué, très habilement pour Redman. Au centre, il y a Kutel, Odermatt sur le point de pénalty. Fouts avant Lorenz. Kretler pour Fouts, Feugele. Un libéro de chaque côté, Feugele numéro 16 chez les Young Boys, et puis Stöckel numéro 5 chez Saint-Gall. Déviation, bien joué de Kutel. Andersen en position. Andersen l'a tiré sur Stöckel. Kutel qui a tardé et Saint-Gall est déjà dans sa formation favorite qui lui est parfois dictée par les circonstances, celle de contre avec un seul homme en pointe, c'est-à-dire Blettler. Accrochage à 2 mètres, attention, ça peut être très dangereux à 18 mètres. Il y a des maîtres du tir sur coup de pied arrêté dans cette équipe bernoise. Il y a Odermatt numéro 12, Andersen numéro 2. C'est à la troisième minute. Une première chance de but pour Young Boys. Attention à l'éventuelle combinaison. Odermatt Andersen. Il y a aussi Lorenz là, les Brutins qui attendent sur la droite. Odermatt dans le mur. C'est Nigel qui a renvoyé. Lorenz renvoie de Stöckel. Brutin. 40 cm par-dessus la transversale. Geste rageur de Brutin qui a 32 ans, qui lui aussi est presque au terme de sa carrière. Brutin. Comme le sont les deux grands joueurs sur le terrain aujourd'hui, c'est-à-dire d'une part Rolf Detter, capitaine de Saint-Gall, et Karl Odermatt des Young Boys. Karl Odermatt qui joue sa 7e finale. Il a gagné 3 fois avec Bâle et perdu 3 fois avec Bâle contre Zurich, alors que Detter joue sa 3e finale. Les deux premières ayant été sans succès. Oetli bien placé, Blettler, interception Feugele. Feugele ou plutôt Brutin. Mock a raté son tir. Le premier but a une très très grande importance en finale de coupe, on le sait, la tradition l'indique d'ailleurs, puisque depuis 1958, c'est-à-dire depuis 19 ans, à une exception près, c'est toujours l'équipe qui a ouvert le score, qui a gagné. Kutel. Oh, bon arrêt de chute. Très bon arrêt de chute. Très bon arrêt de chute sur un tir de Konz que vous avez dans l'image. Konz, le Jurassien. Weschwühl. Tête bernoise. Bigler. La pression des Young Boys est très très vive et la défense saint-galloise a beaucoup de peine à se libérer. Ça c'est Ries que vous aviez dans l'image, maintenant vous avez Stöckel. L'arrière libre, un joueur d'expérience, mais qui n'aura guère l'occasion aujourd'hui vraisemblablement de sortir de ses 16 mètres. Mog, le rouquin, intercepté par Andersen. Redman. Sur sa gauche, Lorenz, au centre, Konz. Redman toujours. Odermatt, derrière lui, pour Brutin. La passe n'est pas fameuse. Il a Kutel sur sa droite, Brutin derrière lui, Brechbühl en appui. Odermatt, bien joué d'Odermatt, remarquable. La passe d'Odermatt malgré le contrôle de Nigel. Odermatt encore, attention, son centre. La tête de Stöckel. Andersen. Saint-Gall part au plus pressé, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va pourtant se libérer. Mog. Feugele. Odermatt en position d'ailier droit. Lorenz, contrôlé par Brander.
Lawrence. Quatre défenseurs saint-gallois ont déjà écopé de deux avertissements dans les matchs précédents. Deux Fouts et Bigger n'ont pas joué contre Servette. Les deux autres, Rander et Stockel, ont joué, mais avec combien de retenue. Lawrence a été un peu arrêté là-bas dans les 16 mètres. Miguel. La balle prend de la vitesse. Et le numéro 6, c'est-à-dire Graf, ne pourra pas la reprendre. Graf tacle assez sauvagement. Kongs. Monsieur Guignet aurait avantage à sévir sans pour autant énerver les joueurs. Anderson dans le paquet. Attention, Schwepp. Mock devant lui, deux hommes seulement, c'est-à-dire Rhys et Blättler. Puis à sa hauteur tout de même, Nigel, Oetli et maintenant Fouts. Odormat à la lutte avec Nigel. Il en veut, Carly Odormat. Il voudrait bien qu'après trois victoires en finale de coupe contre trois échecs, le bilan soit positif. Brander, Odormat. Retour à Brander. Stockel va surgir. Attention au choc. On a eu un peu peur là entre Anderson et Stockel. Stockel, très bien joué. Élimine Kantz. Offside. Offside. Indiquant des deux linesmen de M. Ernest Guignol-Yverdon, ces linesmen étant, je le répète, M. Reverchon et M. Yanner. Yverdon égal. Il y a évidemment plus de supporters bernois, c'est normal, mais il y a peut-être 5 ou 6 000 Saint-Gallois au Van Gogh aujourd'hui. Bigler qui contrôle Kutel. Et Bigler, dont la technique est toujours aussi discutable, a mis la balle en touche lui-même. Lawrence. Bigler. À nouveau Bigler. Interception Odormat. Deuxième faute consécutive de Bigler, mais Odormat lui aussi a mal lancé Kutel. Pourtant, l'occasion était bonne puisque sur la droite, qu'avait déserté Bigler, monté entre guillemets à la construction. Odormat n'a pas pu servir Kutel. Schwepp. 8 minutes de jeu, 0 à 0. Mock. Contrôlé par Redman. Et il sort la balle qu'il destinait à Graf. Encore Mock. Balle pour Rhys. Brechbühl et Feugli se carambolent. Feugli en perd ses esprits, les retrouve à point nommé. Kantz. Kantz avec Fouts. Fouts met la balle en touche. Les joueurs de milieu de terrain saint-gallois ne sont pas faciles à reconnaître. Ils sont tous blonds, tout à fait grands, assez élancés. Il y a Oetli. Il y a Graf et il y a Nigel. Coup franc pour Young Boys, 9e minute. Odormat. Un homme qui est tout seul, c'est le numéro 13, c'est Redman, mais il est hors du rectangle. Odormat. C'est bien joué. Et Kutel a rabattu trop faiblement cette balle admirablement adressée par Odormat. Kutel que vous avez là dans l'image est contrôlée par Bigler. On revoit au ralenti cette retransmission en direct sur les trois chaînes de la télévision suisse et réalisée par nos camarades de Suisse Alémanique avec au pupitre de réalisateur M. Poydel. Rander pour Saint-Gall. Rhys cherche à résister à Mast. Blättler qui laisse aller mais qui ne feinte autant ses coéquipiers que ses adversaires. Brechbühl. Redman au centre d'Ormat. Redman et Mock.
Monsieur Guillet a sifflé, on n'entend pas car il y a une ambiance assez généreuse, assez folle sur le Wangdorf pour cette 52e édition de la finale de la Coupe de Suisse de football. Brutin, Odermatt a sauté, n'a pas pu prendre la balle. Bock Bigler. Bigler moque. Et arrivée extrêmement rugueuse également d'Obermann, c'est-à-dire de Maast, Feugli. Feugli qui connaît un début de match assez difficile. Kuttel. Kuttel fait la remise en touche. Andersson entre dans les 16 mètres. La tête de Stöckel. Balle pour Maast. Ries, Gettler est le seul Saint-Gallois devant Ries. Oetli. Pas de faute, dit M. Guignet. Feugeli, Brutin. Brutin, Odermatt. Face à lui, Nigel, qui le contrôle. Odermatt au centre, c'est bien joué. Oh, magnifique! Lorenz remet derrière lui Kuttel. La balle reviendra-t-elle à Lorenz? Kuttel tire finalement par-dessus. Action lumineuse d'Odermatt. Centre magnifique d'Odermatt qui s'est débarrassé de Nigel. Et volé à bout portant. On revoit. Volé à bout portant de Lorenz qui fusille Schwepp. Mais Schwepp est à la parade. Magnifique action de football. C'est à la 12e minute de jeu. Et Kuttel va poursuivre son action sans succès. Alors Odermatt. Lorenz, il faut noter cette première occasion de but très nette pour les Young Boys. Et Schwepp qui porte des lunettes n'a peut-être pas vu venir le tir, mais enfin il était bien placé. Kuttel. Kuttel, Odermatt s'engage. Rupture saint-galloise, 4 contre 4, 4 verts contre 4 jaunes. Lettler met la balle. Déviation. Et puis finalement, c'est Redman qui s'empare de cette balle. Il y a eu mésentente entre les 4 saint-gallois qui n'ont pas l'habitude d'être 4 en action de rupture et qui, vraisemblablement, se sont mis à se compter, se dire il y en a un ou deux trop, on ne sait plus comment il faut procéder. Lorenz. Bien joué de Lorenz. Au centre, Stöckel. Il aura du travail, Stöckel. Oetli pour Saint-Gall. Appel de balle de Mog. Relais avec Lettler. Nigel. Il a abandonné Odermatt. Stöckel qui est monté. Stöckel, attention. Odermatt revient sur Stöckel. Weschbühl. Eichenberg qui a un maillot rouge. Odermatt. Andersson. Centre. Non, bien, bonne remise, c'est bien joué. Oh là! Sortie de Schwepp. Mais intervention devant Lorenz d'un défenseur saint-gallois. On a eu peur là dans les 16 mètres. Et faute de Maast sur Ries. Ries que vous avez dans l'image. L'avant-centre des. Enfin, un des deux attaquants de pointe saint-gallois, l'autre étant le numéro 10, Rolf Blettler. Voici Ries qui marqua deux fois face à Étoile Carouge et qui qualifia Saint-Gall dans des circonstances sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Blettler. Déviation Oetli. Feugelé. Feugli, à l'image de son début de match, il a trouvé Lorenz, mais il a eu un peu de chance. Odermatt. La balle ayant été un peu freinée par le vent, il y a un petit vent, il fait frais là, sur le Wangdorf aujourd'hui. Weschbühl. Brutin. Ah, bien joué de Brutin pour Redman. Beaucoup de monde dans les 16 mètres. Redman, centre-tire. Et c'est Bigler qui a failli ouvrir le score. Bigler en catastrophe à la 15e minute. Par-dessus. Schwepp, le centre de Redman, on revoit, et l'intervention
de Bigler qui a tout de même eu l'habileté de mettre la balle par-dessus la transversale. Boutin sur le corner. Et minute de silence. À la mémoire de deux anciens joueurs de Young Boys, Hans Pulver, qui fut gardien de l'équipe nationale en 1924, et Erwin Behler, qui joua pour ces mêmes Young Boys en 1953, une finale de coupe. Odermatt s'est lancé. Tir de Redman. Leclerc derrière lui. Et le pauvre Schwett est menacé par Kuttel. Ah, s'il n'en perd pas ses lunettes, il faut tout de même un certain courage pour tenir le rôle de gardien. Derrière une défense parfois souvent pressée. Balle bernoise par Redman. Brutin. Leclerc vise de l'autre côté. Leclerc ne peut pas échapper à ses deux gardes du corps, en l'occurrence Redman et l'autre étant Brutin, qui est revenu. Brooks est bien joué de Leclerc, finement joué. Là aussi, tire à 35 mètres que Eichenberg ne bloque qu'imparfaitement, mais il y avait pour le porteur du ballon, c'est-à-dire, je crois que c'est Oetli. Non, c'était Nigel. Peut-être Oetli. Il y avait des possibilités sur la droite. Comte. Et Kuttel avec Bigler. Kuttel fait souffrir Bigler terriblement. Bigler s'accroche désespérément. Steckel. Steckel renvoie de Brutin. Faute, oui. Faute de Graf. Gans sur la trajectoire Steckel. La balle est sortie, elle a eu une curieuse trajectoire. Odermatt dans l'image. Et puis Mast, que vous avez vu aussi. Les deux équipes, c'est le moins qu'on puisse dire, ne manquent pas de détermination. Ries, Leclerc sur l'aile gauche a appelé la balle Brechbühl. Mast, le stopper. Odermatt. Mast. Lorenz poussé par Brander, coup de sifflet de Monsieur Guigné. Fin de 18 minutes de jeu. Odermatt, Andersen. Andersen, Odermatt. Lorenz, Odermatt, c'est bien joué pour Mast, mais Mast faillit perdre la balle. Brechbühl. Oh là! Et la balle s'en est venue frapper le bras de Schwepp sur le tir de Brechbühl, adressé de 30 mètres. Regardez, 20e minute au ralenti, tir de Brechbühl. On croit cette balle facile, puis elle frappe le sol et le bras de Schwepp. Odermatt sur le corner. Volley de Kietes là-bas. Redman, Brechbühl à gauche. Odermatt est seul à gauche. Redman, Odermatt. Odermatt s'entretire pour qui la tête de Steckel. Brutin. C'est un Saint-Gallois, ça doit être Bigler qui a détourné sur le tir de Brutin. Alors 20e minute aussi, tir de Brutin.
C'est la quatrième fois que Schwepp a de sérieuses inquiétudes dans ce début de match. Quatre occasions pour Young Boys contre 0 à Saint-Gall. Juste à l'extérieur, cette tête de Combs, je crois. Oui, Combs. L'entraîneur Linder sur le banc des Young Boys. Stöckel. Plettler. Faute de Breschbull. Faute de Breschbull au dépens de Hötley. Bonne balle pour Mock. Feugli. Faute bernoise, dit le linesman. Confirmé par M. Guignet. Mock. Stöckel est sur le point de pénalty. Mock. Eichenberg, malgré le plongeon de Ries. Lorenz. Lorenz. Andersen. Bien joué pour Kons, qui est poursuivi par Hötley. Kons toujours. Joué, dit M. Guignet, qui a quelques complaisances là à l'endroit de Hötley, qui a bel et bien déséquilibré le Bernois, c'est-à-dire Kons. Offside de Rolf Detlef. Eh bien, ça va très, très, très vite. La défense saint-galloise a connu quatre alertes, en tout cas, très, très, très chaudes. Il y a eu un centre d'Odormat, une reprise de Lorenz qui a abouti sur Schwepp. Il y a eu un tir, un centre de Reppmann que Bigler a failli transformer en autobut. Un tir de Breschbull de loin qui s'en est venu frapper le bras de Schwepp. Et un tir de Brutin détourné par un saint-gallois qui a passé par-dessus la transversale. Breschbull. Mas insiste, la balle est sortie. C'est pas ce qu'on entend. Je suis dans l'incapacité de traduire ce qu'on entend d'un banc saint-gallois vraisemblablement. Bonds est touché par Stöckel. Monsieur Guignet s'en vient dire à Stöckel qu'il ne veut pas de ça, mais Stöckel n'a pas. On a peut-être moins fait que certains de ses coéquipiers en d'autres circonstances, ça c'est absolument certain. Nouveau coup franc, 24e minute, Odormat. Odormat centre sur la tête de Raff. Corner qui va tirer Brutin. Cette année, les deux équipes se sont rencontrées deux fois, à Berne 1 à 1 entre Young Boys et Saint-Gall, à Saint-Gall 0 à 0, c'était à la fin mars, IB Saint-Gall c'était en octobre. Alors qu'on voit l'entraîneur saint-gallois sommaire et le médecin du FC Saint-Gall, qui est aussi le médecin de l'équipe nationale, tête de Lorenz. Leur dernier match, eh bien, vous l'avez en mémoire, Saint-Gall a perdu contre Servette 5 à 3, 4 buts de Chivers, alors que Young Boys est allé gagné à Bellinzone en marquant deux fois par Lorenz. Ça fait longtemps que Young Boys n'avait pas marqué de but. Sommaire, j'espère qu'on ne va pas. Enfin, ça dépend des goûts, mais je ne sais pas si on va beaucoup insister sur le banc saint-gallois où Sommaire se manifeste de manière parfois assez inquiétante. C'était Faeutz à la réception Ries. Et c'était dangereux. On revoit l'action. Car la défense des Young Boys n'est pas tellement, tellement sûre. Corner pour Saint-Gall, 26e minute par Rolf Plettler. Faeutz, centre-tire, c'est bien joué.
Bartel. Mauvaise passe. Mog. Spiegler. Mog. Brutin. Bien, très bien joué de Lorenz, finement à déviation pour Brutin. De Brutin à Lorenz encore, poursuivi par Brander bien sûr. Très joli de Lorenz. Ce qu'il va pouvoir donner derrière lui, non, il ne peut que soulever la balle qui est récupérée par Graf. Brander. Et éviter Andersen qu'on voit peu. Mock pour Saint-Gall. Depuis la 20e minute, Saint-Gall s'est repris pour Rhys, tête de Mast. Depuis quelques minutes, Saint-Gall s'est repris. Serait-ce les exhortations vociférées par Sommer qui a secoué un Saint-Gall qui pourtant jusqu'ici était loin de s'endormir sur la pelouse du Van Gogh Freshbull. Redman. Brutin attend poliment à droite dans le couloir. Brechbühl. Bons. Il faut voir, Brutin, les possibilités offertes là-bas sur le couloir. Bons. On se réjouit de revoir au ralenti pour essayer d'estimer à combien de centimètres le tir de Bons est passé hors de la cage de Schuette. Pas très très loin apparemment. Stöckel pour Saint-Gall. 27 minutes de jeu, toujours 0 à 0. Appel de balle de Brander sur la droite. Oetli, Blättler. Ah, Blättler n'a pas pu contrôler de la tête. Mock, un peu cisaillé par Brutin, monsieur Guignolet-Salé. Brechbühl. Andersen, Odermatt sur le point de pénalty. Brutin part sur la droite. Brutin au centre. La tête qui est elle, non. Les mains de Schwepp. Blättler avec Oetli sur la gauche. Odermatt seul. Stöckel va se présenter devant lui. Odermatt de l'extérieur, c'est bien joué. Tête plongeante de Kutel sans succès. Joli mouvement. 29e minute. Blättler. Stöckel. Très bien joué de Stöckel. Mock, il est infatigable ce Mock. D'ailleurs pour la course, les Saint-Gallois, alors là, nous sont. Ah, Eschenberg a failli faire un cadeau à qui? À Stöckel, sur le centre de Mock. Deuxième action dangereuse saint-galloise, là, à la 29e minute. Andersen lève la balle pour Odermatt. Odermatt et Nigel, Odermatt toujours. Centre-tir, Schwepp des points. Oetli. La Fultz qui est en position d'avant-centre. Brechbühl pour Brutin. Brutin pour Mast. Il a cherché à servir Odermatt. La balle doit être bernoise. Oui, oui, c'est indiscutable. Kutel avec Bigler. Attention à Bigler, elle est assez facétie. Mock. Blättler sur sa gauche. Mock passe. Toujours Mock. Encore Mock. Faute de Feugele. 22 mètres à peu près. 22 mètres, coup franc. 30e minute. Et ce petit numéro 11, Mock, fait un début de match vraiment
étonnant. Il avait prouvé certaines qualités de footballeur dans les deux matchs contre Carouge, pas toujours. Aujourd'hui, ils sont tout de même libérés par leur présence en finale. Ils ne deviennent pas tous pour autant d'excellents footballeurs. Ça tiendrait du miracle. Mais Mog, en tout cas, montre un souffle inépuisable. Quel Blättler, Eichenberg. 31e minute. Nombre de, sinon d'occasions, mais de tirs au but, et bien Saint-Gall remonte petit à petit la pente. Brander. Brander pour qui? Pour Mog. Tête de Brutin. Après une domination quasi totale pendant 20 minutes des Young Boys, Sommer que voici a quelques raisons d'être satisfait des quelques tirs adressés en direction d'Eichenberg. Finalement, le football de ces joueurs est moins grimaçant que le visage de l'entraîneur en ce début de rencontre. Tentative de 1-2. Brutin Lorenz qui échoue. Steckel. Ce qu'il va essayer de faire avec Blätter, il tire sur Rodermatt qui était revenu. Sur Fugli, pardon. Rodermatt s'est caché là-bas sur la droite. C'est accordé un petit temps de récupération. Lorenz. Lorenz Brechbühl. Rodermatt dans le couloir de droite, on ne l'a pas vu. Fugli a mal joué, très mal joué. Il a cherché le 1-2 avec Lorenz qui était marqué de très près alors que Rodermatt attendait la balle sur l'aile droite. Andersen, il va peut-être voir. Il a vu Kontz. Un long centre par-dessus la défense et Rodermatt est de l'autre côté. Kontz, encore Kontz. Biglev une nouvelle fois. Chandelle, attention, Schwepp. Andersen, non, Mog. Mog qui va donner la balle à Andersen. Ah, Rodermatt s'il continue. Il résiste à tout ce Mog. Il est sensationnel dans cette première demi-heure, Mog. Ah, il a la santé. Brander, Blättler. Oh, Blättler a raté complètement son affaire. Ça nous fait mal pour Rolf. C'est malheureux, on revoit cette action. Là, on croit. Attention, Blättler offside. 34e minute. Peut-être la plus belle occasion jusqu'ici du match. C'est malheureux. 35 ans cet automne, Rolf Blättler, s'il avait pu ouvrir le score ici en finale de coupe pour Saint-Gall, après deux échecs, l'un avec Lugano face à Servette, l'un avec Bâle face à Zurich, alors qu'il était le coéquipier de Dormat. Et alors c'est Bigler qui a été touché par Kutel. Bigler est loin d'être angélique. Et c'est Kutel qui l'a touché. Steckel, 35e minute. Quel au centre, Eichenberg du bout des doigts devant la menace de deux Saint-Gallois qui étaient offside. Brutin Mock. Brander. Kontz. Andersen. Kontz. Kontz. Rodermatt recherche les espaces libres, cherche à se démarquer. J'espère que ses coéquipiers vont s'en rendre compte. Car Rodermatt et Andersen sont déjà des anciens, alors que le milieu de terrain saint-gallois est travailleur, peut-être seulement, mais extrêmement, extrêmement vigoureux et au souffle inépuisable. Alors Rodermatt a avantage à calmer le jeu et à chercher des espaces libres.
25 000, si on a bien compris. Oui, oui, 25 000 spectateurs. On pensait qu'il y en avait un peu plus aujourd'hui au Wangdorf pour cette finale entre Young Boys et Saint-Gall, qui, après 20 minutes de domination des Bernois, voit Saint-Gall se rebiffer avec beaucoup d'énergie. Tête plongeante, revient, le perd cette balle. Tire de Fouts, offside. Il y a un homme qui n'est pas revenu, je crois que c'est Nigel, sur le tir de Fouts, qui était offside. Odomat. Odomat qui se fâche avec Nigel. Jusqu'ici, M. Guignet arbitre très bien cette rencontre. Il semble faire preuve de compréhension plutôt que d'un autoritarisme stupide. Il n'a pas donné d'avertissement, il a sifflé les fautes qu'il fallait. Il ne bavarde pas trop avec les joueurs. Il paraît là avoir une très bonne intervention sur ce contact entre Odermatt et Nigel. Ça, ce n'était pas le premier, ça ne sera pas le dernier contact, certainement. Mast. Konz. Oetli. Attention à Kutel qui surgit. Kutel, on ne le voit pas, il est caché derrière ce poteau-là. Le public, là, enfin la partie saint-galloise du public n'est pas d'accord avec l'intervention de M. Guignet. Coup franc par Odermatt, 37e minute. Pour qui Schwepp des points. Konz, il y a Brutin sur la droite, c'est pour lui. Brutin devant Bigler. Brutin, Bigler, corner. Quand on vous disait qu'il ne fallait jamais condamner un match de football à l'avance, je crois que ces 35 premières minutes peuvent satisfaire les spectateurs et les téléspectateurs. Brechbühl, il n'y a pas que Dupont, bien sûr, dans ce match. Mais Blättler là, Blättler et Odermatt. Et alors Odermatt a taclé Blättler, c'est la rencontre au sommet. Et bien elle s'est passée au sol. Brutin, bonne balle. Et Mast a aussi montré ses limites techniques là. Mock. Mock, on le prend au sérieux maintenant. Et Brutin l'a durement contré. Andersen. Il a tardé à servir Odermatt. Voilà qui est fait. Kutel est bien placé. Centre-tir. Lorenz au Schwepp. Schwepp des points. Konz ou Andersen. 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 Ramène la balle à Konz. Saint-Gall se libère assez calmement. Brechbühl avec Graf, je crois. Non, c'était Oetli. Fögeli. Mast. Konz. Oetli. Oui, carton rouge. Oetli, numéro 7 de Saint-Gall. 39e minute est averti. Vous savez, Andersen dans l'image est Brechbühl de dos. Coup franc à 35 mètres. Andersen. Bigler. Il va servir Lorenz. Il va pouvoir centrer. Bien joué de Konz. Corner. Non. Et là, on avait nettement le sentiment que le Saint-Gallois avait touché la balle. Après Konz. Stöckel. Il y a plus de footballeurs dans les rangs des Young Boys qu'à Saint-Gall, où il y a entre autres Stöckel, vous avez dans l'image. Saint-Gall joue à un rythme effréné. Les Saint-Gallois vont-ils pouvoir tenir tout le match à ce rythme-là? Blättler faute.
Mais Young Boys a quelques difficultés à se transformer en une équipe franchement offensive. Un homme qui a perdu sa chaussure, Brechbühl. Brechbühl, Redman. Redman, Brutin, c'est Konz qui a perdu sa chaussure. Brutin face à Mog. Odermatt, Oetli. L'homme qui a été averti par M. Vignet. Lettler, très habilement. Il a évité très habilement Andersen. Bonne balle dans l'espace libre. Pour Brander. Brander avec Fugeli. Minutes de jeu, toujours 0-0. Et Brander, le stopper, va retrouver Lorenz. Mast. Andersen. Mauvaise passe d'Andersen. Et le contre, ils sont 2 contre 4. Feuglé. C'est assez normal, il fallait voir à gauche Blättler. Comme Andersen devrait voir plus souvent à droite Odermatt. Stöckel. Tacle de Redman. Pendant 20 minutes le match, la balle a été bernoise et puis depuis la 20e minute, Saint-Gall, par un effort extraordinaire, a inquiété à plusieurs reprises Young Boys, à tel point qu'à quelques instants de la mi-temps, si l'on récapitule les actions et les chances de but, l'avantage des Young Boys n'est plus très 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 net. D'ailleurs, la défense bernoise, ici Feugli de Nantes, montre des signes d'une certaine nervosité. A montré cette nervosité à plusieurs reprises. Redman. Tutel avec Stöckel, Lorenz. Brutin. Konz a appelé la balle d'Ormat sur le point de pénalty, Konz. Je rappelle que la coupe sera remise au capitaine vainqueur, c'est-à-dire soit Rolf Blättler, soit Walter Eichenberg des Young Boys, par M. Kurt Vogler, président de la Confédération. C'est Fuchs qui fait la remise en touche. Brechbühl. Rock, bien joué. Riss, Feugeli. Ils ne sont pas très très sûrs de leur affaire, la défense de Young Boys. Mog. La tête de Andersen. Brutin. Faute, dit monsieur. Faute de... Faute, je crois, dit M. Guignet. Tutel a changé et s'en est venu sur la gauche, où il a été suivi par Bigler. Mast. Konz, auquel s'accroche Faute. Blättler, il arrive à côté de lui, Feugli devant lui. Il n'évite pas Feugli. Il fait signe qu'il manquait d'appui, mais à la vérité, il a voulu passer tout seul, Rolf Odermatt. S'il avait pu écarter Feugli, il allait seul face à Eichenberg. Et c'est la fin de cette première mi-temps, très 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 vivante. On ne regrette pas, quant à nous, d'être venus au Wangdorf pour le moment cet après-midi. Bataille, certes, mais dans les limites de la correction, certainement aussi. Bonne première mi-temps, 0-0, c'est assez équitable après une domination de 20 minutes des Young Boys. Saint-Gall
Dangereusement a inquiété à son tour Eichenberg, 0-0 au terme des 45 premières minutes ici au Van Dorp entre les Young Boys et le FC Saint-Gall. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous reprendrons l'antenne alors que sort Karl Odermatt dans une dizaine de minutes pour la deuxième mi-temps de cette finale dont vous reverrez l'essentiel ce soir aux environs de 22h30 à peu près. Ici Eichenberg. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes. Merci de nous avoir prêté attention. Après une première mi-temps intense, de bonne valeur, où Saint-Gall n'a pas tellement eu à rougir de sa présence en finale de coupe et où sa combativité, son souffle inépuisable a permis de compenser une certaine infériorité dans le jeu, dans la jouerie. Les Young Boys, en effet, ont dominé les 25 premières minutes, se sont créés des occasions, auraient dû marquer. Puis après, Saint-Gall est revenu à la surface. Son milieu de terrain exerce sur les constructeurs bernois une action parfois destructrice et extrêmement gênante. Mog a créé certaines actions de jeu. Blättler a eu une occasion lui aussi. Le voici dans l'image. Et en tout cas, cette première mi-temps ne nous fait pas regretter le déplacement de Berne aujourd'hui. Stöckel, très très bon en première mi-temps. Alors que chez les Young Boys, Anderson n'a pas paru au meilleur de sa forme, que Mast donne quelques inquiétudes et qu'il trouble son arrière-libre Fögeli. Et vraiment, alors qu'il reste 45 minutes à jouer, tous les pronostics sont possibles. Saint-Gall n'a pas du tout perdu cette finale de coupe. Odermatt, Mog, il est menacé par Brutin. Il serre Odermatt. Odermatt lève la balle pour Lorenz qui est offside. Lorenz est offside. Il n'a d'ailleurs pas sur cette action battu Schuette. Et voici Lorenz qui a marqué deux buts à Bellinzon dans le dernier match joué pour les Young Boys. Young Boys a joué au petit trot. L'essentiel était de faire un point. Ils en ont fait deux, de ne pas avoir de joueurs blessés. Et aussi de retrouver le chemin des filets car Young Boys, depuis un certain temps, ne marque plus beaucoup de buts puisque c'était avec les deux de Bellinzon 4 en 7 rencontres. Ça n'est pas beaucoup. Et jusqu'ici, Schwepp n'a pas été battu. Redman, Brutin. Mop. Un élément à signaler, le vent. Le vent qui, en deuxième mi-temps, est favorable aux Young Boys. Odermatt. Kons. Fautz. Fautz Mog. Mog habile dans le dribble, mais qui là rate une deuxième passe consécutive. Kons. Brutin. Odermatt poliment attend sur la droite. Brutin au centre. Lorenz. On n'avait pas une juste vision de l'angle de la trajectoire que prenait la reprise de la tête de Lorenz que voici. De Brander à Schwepp. Je rappelle que Young Boys et Saint-Gall furent finalistes en 1945. Young Boys avait gagné 2-0 après prolongation. Que dans ce match jouait un certain Genia Valachek qui d'ailleurs marquait un but sur pénalty. Ah, pour le sprint, Odermatt n'est peut-être plus ce qu'il était, mais pour l'intelligence de jeu, le sens du placement, il est encore un peu là. Il l'a démontré en première mi-temps à plusieurs reprises. Et on estime quant à nous qu'en fin de première mi-temps, il n'a pas toujours été servi comme il aurait dû l'être. Sur l'aile droite où il se démarquait. Stöckel pour Saint-Gall. Mast aux prises avec Ries. Ries qui, paraît-il, a fait souffrir singulièrement Mast dans le dernier match opposant les deux équipes, le 0-0 de Saint-Gall.
et irrégularité de Anderson. Une indication de sa forme moyenne. Il est encore capable de coups de patte intéressants, mais il n'est pas au mieux de sa forme, c'est certain. C'était grave. Longue balle pour Lorenz. N'a plus qu'un défenseur. Mais Lorenz est déporté. Et ne peut que tirer faiblement dans les mains de Schwepp. Fouts. Reschbühl. Kons. Anderson, un nouveau raté. Un cadeau à Fouts. C'est faute d'Anderson, la deuxième consécutive, là, en 30 secondes. Il en a déjà commis un certain nombre dans la demi-finale contre Lausanne Sport. On le disait en reprise. Coup franc pour Saint-Gall. Stöckel et Mogg à ses côtés. La tête de Graf, non. Oh là, il a failli faire un cadeau au Saint-Gallois, Redman. Lorenz, qui joue bien en remise. Encore Lorenz. Kanz, Lorenz. Cette fois, il a pris Kuttel à contre-pied. Oetli, interception Anderson. Attention, Anderson et Graf. Appel de balle de Dormat qui est tout seul, que vous n'avez pas dans l'image, qui est tout seul à l'aile droite. Nigel, son marqueur est à 20 mètres. S'il peut toucher. Ah, Redman aurait peut-être eu avantage à essayer de glisser la balle à Dormat sur l'aile droite. Car Nigel avait été aspiré par le ballon et avait complètement délaissé Dormat. Rander. Nigel est venu chercher la balle, mais Schwepp préfère le long dégagement. Mast avec Ries. Fouts. On a vu Fouts à l'attaque, on a vu Stöckel à l'attaque. Il y a beaucoup de mouvements dans ce match. Odormat, mais Schwepp devant Odormat sur le centre de Lorenz. Stöckel. Brander perd la balle sur Kanz. Faute de Brander qui s'énerve un petit peu. Reschbühl pour Feugeli. Brutin. Odormat Brutin. La remise est loin d'être parfaite. Stöckel, c'est vraiment un des bons joueurs de notre championnat de football que ce Stöckel. Feugeli, Reschbühl, Feugeli, Saint-Gall se libère, il y a Graf devant le porteur du ballon avec Blättler, Hötli, Anderson, Odormat est à droite, ah, cette fois la passe arrive à Odormat. Quand c'est Lorenz au centre de Dormat, la tête de Lorenz. Et une nouvelle fois, Schwepp. Très bonne action bernoise à la sixième minute de la deuxième mi-temps. On revoit Odormat très très bien servi. Et la tête de Lorenz. Il y a une faute sous nous commise aux dépens de Blättler. Blättler qui a beaucoup changé. Mais vous l'aviez constaté lors de la demi-finale entre Saint-Gall et Carouge. Stöckel. Centre tir à Eichenberg, malgré Graf. Pour Kuttel. Kuttel va très vite, essaye de passer derrière Bigler. Bigler ne concède pas le corner, il s'en faut de 40 cm. Tel pour Lorenz, c'est bien vu, mais il n'y a personne au centre. Alors Lorenz tire sur un défenseur qui était Nigel. Hans, de son prénom.
C'est Brutin qui va tirer. Oh là, c'est Oetli qui a failli laisser échapper cette balle. Ries. Redman. Redman, Kons. Le vent est très frais et souffle assez fort. Je le rappelle, favorable aux joueurs des Young Boys. Encore 36-37 minutes à jouer, toujours 0-0. Stöckel. Lettler. Bien, bien joué, qu'il a gardé la balle malgré l'attaque de Andersen qui commet sa troisième ou quatrième faute depuis le début de la mi-temps. Ça fait tout de même trois fautes en 8 minutes. Attention, Brechbühl menacé par Oetli. Eichenberg. Brutin. Galope d'Ormat, poursuivi par Nigel. Stöckel à nouveau sur un relais avec Nigel, je crois. Stöckel. Oh, c'est doublement corner. Andersen a touché la balle en second, mais Mast l'avait touché. Non, c'est pas Mast là-bas. Je crois que c'est Kons qui l'avait touché sur le débordement de Stöckel. Blättler. Stöckel est sur le point de pénalty. Blättler, que veut-il faire? Andersen sort la balle. Je rappelle que les remplaçants sont pour Jombos, Schmidlin numéro 17, Cormain, Poff, milieu de terrain numéro 7, Siegenthal 14, Burkhardt numéro 5, Leutzinger numéro 9, gardien Weissbaum. C'est dire la richesse de l'effectif des Bernois, alors que les remplaçants saint-gallois sont Bruviller, gardien de but, Labarthe numéro 12, Seger numéro 13, Schneeberger numéro 14 et Locher numéro 15. Schneeberger, dont on déplore l'absence, alors qu'on est sur le banc. On jette un coup d'œil sur Kurt Linder, dont on déplore l'absence, Schneeberger. On ne sait pas exactement pour quelle raison il ne joue pas cette finale. Je pense que l'entente entre lui et Sommer n'est peut-être pas toujours parfaite. On en a eu quelques exemples à Saint-Gall lors de la demi-finale. Kons, Odomat, Brutin. Et Mog a résisté, est revenu. Mog. Odomat. Kons. Odomat. Interception, Nigel. Kutel. Talonnade, Kons. Stöckel très calmement, très habilement. Vous remarquez que Young Boys a au fond maintenant deux avancantes, Lorenz et Kutel, et que le jeu se développe de l'aile droite. Tout se trouve Odomat. De l'autre côté, Ries. Alors Blättler à grandes enjambées entre dans les 16 mètres. La tête de Feuglit. Brutin. Lorenz. Rander. Balle saint-galloise directement de Brander à Schwepp.
Russell. Et Bigler. De très loin à Schwepp. Miguel contrôle Odermatt d'assez loin. Lorenz est marqué par Brander. Kuttel par Bigler. Feugeli. Stöckel. La balle arrive à Mogg. Mogg va passer Andersen. Mogg résiste. Centre-tir raté d'Eichenberg, arrivé de Riis, puis de Fouts. Et puis Oetli, ça n'est pas fini. Oetli derrière lui, là. Je crois que c'est Graf. Non, c'est Senegal. Schneeberg se prépare à Saint-Gall. On revoit l'action de Mogg. Il a été taclé par Andersen, il a résisté. Centre-tir, alors là, Eichenberg, peut-être a-t-il froid, mais tout de même, a failli offrir une balle à Riis. Qui aurait pu ouvrir le score pour Saint-Gall. Ceci, c'était à la 14e minute. Le rebond est favorable à Bigger. Alors là, on se demande bien quelle faute a pu être commise pour justifier l'intervention de M. Guignet. C'est bel et bien Schneeberger, le numéro 14, qui se prépare. Au coup franc, Andersen et Lorenz sont à la balle est à 30 mètres. Lorenz, 30 mètres début de Schwepp, Odermatt. Redman s'entretire pas mal joué. Tête saint-galloise. Puis Fouts. Stöckel. Oetli. Bien joué d'Oetli. Qui est fauché par Brechbühl. Un avertissement jusqu'ici, justement donné à Oetli, le numéro 7. Un seul, alors qu'il ne reste qu'une petite demi-heure dans cette finale entre Young Boys et Saint-Gall, toujours 0 à 0. Brutin, Fouts, Nigel, Odermatt, Odermatt, ah, lui aussi a tardé à passer, Oetli. Fouts. La balle est sortie, c'est dommage car Fouts avait fait un effort méritoire. Feugeli. Stöckel. Qui laisse sortir, menacé par Konz. Ce n'est certes pas un match où les contacts sont tendres, mais. Jusqu'ici, les joueurs sont nettement restés dans les limites de ce qui est permis. Schwepp. Redman. Et Mogg qui a surgi. Oh, c'est bien joué de Mogg. Bettler. A beaucoup de peine à passer balle au pied de Leclerc dans ce match. Il aura subi quelques échecs. Balle au pied à l'orée des 16 mètres. Mais Mogg, là, avait remarquablement joué. Andersen. Andersen. Toujours Andersen. Qui a voulu faire une passe en retrait à Odermatt. Oetli. La balle n'est pas sortie. Bien lancé par Nigel.
Stöckel. Stöckel à Brander. Brander qui devrait se dépêcher de centrer. Eichenberg bousculé par Ries. Reschmühl. Rutin. Feugelé, alors il est agressé par Graf, le numéro 6. De manière impétueuse, irrégulière. Brutin. Reschmühl. 19 minutes. Le Dormat, la tête de Lorenz. La tête de Lorenz, celle de Stöckel. Celle de Stöckel. Qui concède un corner. À la 19e minute. Schneeberger pour qui? C'est la question qu'on se pose. Un homme du milieu, vraisemblablement Graf. Serait tout de même assez symptomatique d'un état d'esprit plus positif que d'habitude de la part de Sommer s'il sortait un de ses joueurs de milieu du terrain, un Graf, pour faire entrer Schneeberger. C'est Odermatt qui va tirer ce corner en faveur des Young Boys. Odermatt chouette des points. Il était presque gêné par Graf. Chouette. Et Saint-Gall à nouveau. On sait d'un corner que tire Odermatt une nouvelle fois. Redman a failli avoir la balle de match. Schwepp, qu'a-t-il fait? Faute sur le gardien Schwepp. J'espère qu'on va revoir. On ne sait pas très bien où il a pris cette balle. On a vu que Redman avait une balle de match, le numéro 11. Il y a renvoi de Schwepp, puis Redman, puis Stöckel qui touche. La balle revient. Elle est poussée. Elle est arrêtée par Schwepp, on ne sait pas très bien où, mais de toute façon, le score est toujours de 0 à 0. La pression des Young Boys devient terrible. La tête de Brutin. Alors, il va entrer Schneeberger. Changement de joueur. C'est le 11 qui sort, c'est Mog. Je ne comprends pas très bien. Peut-être est-il très très fatigué. Peut-être lui avait-on demandé de jouer pendant une heure à peu près au maximum de ses possibilités. Alors on peut dire qu'il l'a fait. Il a fait de très très jolies choses, Mock. Et Schneeberger vient d'entrer. Il est contrôlé par Brutin. Lorenz, cutel à gauche, toujours Lorenz. Reschmühl, Brutin à droite. Il va centrer en pleine course sur Schneeberger qui concède un corner. C'est la première balle qu'il touche, Schneeberger. Brutin. Stöckel. Reschmühl. À nouveau Brutin. Lorenz. Konz, Odermatt à l'aile gauche. Konz peut toucher pour Odermatt. Odermatt face à Nigel. Encore Odermatt. Oh, c'est bien joué ça. Ça, c'est bien joué pour Konz. Konz. Redman. Redman Andersen en position sur Guy Bigler, sur le genou de Bigler, le tir d'Andersen. Blettler pour Saint-Gall. Hötli. Schneeberger.
Mais Berger pour Fouts. Fouts passe. Mais il a deux Bernois sur sa route. Interception Schneeberger. 24 minutes de jeu, oui. Comptes. Mast. Haut droite, Mast. La balle a été freinée par Nigel. Utley. Devant Utley, Rhys. Mais Rhys est le plus avancé des Saint-Gallois. Il faut l'aider. Rhys. Encore lui, malgré Brechbühl. Rhys. Anderson. Pons, Lorenz, Brechbühl, Brechbühl au centre, Stöckel en plongeant, dévie la balle de la tête. Encore 20 minutes à jouer. Odomat, une activité vraiment inlassable, Odormat, aujourd'hui. Brechbühl. Mast. Kuttel. Odormat. Bourquier. C'est Fouts. D'abord qui est intervenu, maintenant Brut. Les Youngboys ont vraiment beaucoup, beaucoup de peine à marquer un but. Ils ont connu une série négative en ce printemps. Ils ont marqué que très, très, très peu de buts. Cette impuissance se manifeste aujourd'hui une nouvelle fois. C'est Fouts qui a eu le dessus. Faute de Redman. Utley que vous aviez dans l'image. Fouts. La tête de Rhys. Celle d'Anderson qui est blessé dans un contact avec Graf. Ah, il s'est relevé. Brechbühl. Feugeli. Il a été touché, Anderson, par le coude de Graf. Rander, la balle est sortie. Odormat. Contre à l'aile droite. Odormat. Odormat, un peu de chance contre favorable. Feugli. Contre laisse sortir. Puisqu'il sait que Young Boys a obtenu sur le tir de Feugli un corner. Un homme est blessé en face, un Saint-Gallois. C'est peut-être. Je ne sais pas qui est blessé là-bas, ça n'est pas Blettler, ça n'est pas. Tête! Schwepp était sorti de ses buts, il était battu. C'était une tête de Lorenz une nouvelle fois. Alors qu'on avait l'attention attirée par le Saint-Gallois blessé, on revoit. Sur la ligne, il y avait Bigler. Alors que vous avez Brechbühl et Utley dans l'image. Et ce Saint-Gallois qui est là-bas, c'est peut-être Graf.
Non. Panigel, c'est peut-être le stopper Brander qui était monté là-bas. Oetli s'énerve un petit peu. À notre sens, c'est Brander qui est au sol là-bas, le numéro 4, le stopper qui était monté sur la droite. Rutin renvoie Saint-Gallois, Oetli. Schneeberger avec le terre. Schneeberger perd la balle, Odermatt. La pression bernoise est terrible maintenant. Terrible. D'autant plus que les Saint-Gallois sont à 10. Redman. Hans. Pression terrible, mais pas de but. Toujours pas de but. Il y a eu cette occasion avec la tête de Lorenz tout à l'heure. Hans. Hans. Schwepp renvoie. Et Bigler va déblayer son camp. Devait le bien s'agir de Brander. Lorenz. C'est Graf qui s'est couché sur l'action de Lorenz. Il reste un quart d'heure à jouer. Et c'est Seger, numéro 13, le barbu moustachu, qui va prendre la place de Brander si c'est bel et bien le stopper qui a été blessé. Alors Seger. C'est bien Brander qui est blessé. C'est Sega qui entre. Schwepp des points. Et goal de Andersen. Goal de Andersen sur un renvoi de Schwepp. C'est Andersen qui marque pour les Young Boys. Saint-Gall s'était défendu héroïquement, héroïquement. Un homme a dû sortir le stopper. Regardez Schwepp ici en perdition qui peut renvoyer des points. Et c'est bel et bien Andersen, pied levé, qui marque devant Stöckel. Alors 1 à 0 pour les Young Boys par le Danois Andersen. Il reste un quart d'heure à jouer. Et une rectification, il y a bel et bien 30 000 spectateurs, paraît-il, ici au Van Gogh. Le chiffre, l'annonce de 25 000 spectateurs nous avait quelque peu surpris. Il nous semblait qu'il n'y avait pas loin de 30 000 spectateurs, cela a été rectifié. Alors 1 à 0 par Young Boys sur un corner. Schwepp peut détourner du bout des doigts, la balle revient dans les pieds d'Anderson qui marque pour les Young Boys. Donc sur une action un peu confuse. Au terme d'une pression très très longue des Young Boys sur le but de Schwepp. L'addition des occasions au calcul de la domination territoriale, certes, Young Boys mérite cet avantage de 1-0. Mais Saint-Gall, vraiment, aujourd'hui, s'est battu avec un cœur admirable. Odermatt. Odermatt toujours, et Bigler commet une faute qui n'est pas si grave que semble vouloir l'indiquer Odermatt, qui ne paraissait en tout cas pas si grave. On la revoit, Odermatt. Il a peut-être touché du genou et il a poussé Odermatt, mais il ne doit pas lui avoir fait très mal. Enfin, très difficile de juger alors qu'on est à disons 80 à 100 mètres de l'action. C'est prématuré, Brutin, de boire. Enfin, ça ne sort peut-être pas du champagne, mais il reste tout de même encore 10-11 minutes à jouer. Young Boys 1, Saint-Gall 0. Coup franc pour une légère faute de Bigler. Que Odermatt a un peu dramatisé. Odermatt, Kans, Odermatt. Tir terrible. Il cherchait la lucarne. Il aimerait certes en marquer un, Odermatt. C'est très vraisemblablement sa dernière finale de coupe.
mais elle sera très vraisemblablement aussi beaucoup moins amère pour lui que pour Rolf Blättler si le score reste ce qu'il est. Stöckel, Monsieur Guignet plonge pour éviter la balle. Odomat face à Stöckel. Kans. Stöckel encore. Il y aura eu quelques mérites dans ce match. Schneeberger. Qui doit regretter plus que quiconque la blessure de son stopper Brander. Mast. Fögeli. Rutin. Kans tire sur un Saint-Gallois. Andersen. Il s'était repris après un début de deuxième mi-temps assez discutable. Il commence à faire singulièrement froid sur le Van Dorf. Odermatt va hériter d'une balle ou bien sera-ce Lorenz. Odermatt. Bigler. C'est coup franc, dit Odermatt. Le linesman d'obtempérer va lever la balle par-dessus le mur. Lorenz, non, Fouts en corner, de l'autre côté. À l'usure. C'est à l'usure que les Young Boys sont en train de gagner la finale de la Coupe de Suisse face à Saint-Gall, qui a plié longtemps, qui a résisté très 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 longtemps. De Stöckel. Kans. Et Kans sur l'aile gauche flambe en fin de match, mais Sersig. Schneeberger. Qui évite Redman qui fait foul. C'est beaucoup demandé à Harris qui a beaucoup couru, comme tous les Saint-Gallois, que de lui demander de pouvoir poursuivre encore cette balle à 8 minutes de la fin. Fögeli, Blättler, il n'en demandait pas tant. Est-ce qu'elle reviendra au centre pour Schneeberger? Blättler, et goal! Non, non, dit monsieur Guignet. Le linesman a levé son drapeau. Alors vraiment, ça devient plus que de l'amertume pour le pauvre Blättler. On revoit. Il y a offside ici, oui. Il y a offside. Mais pas de Blättler. Il y a offside, mais pas de Blättler. Oh, le pauvre Rolf. Pauvre Blättler. Il égalise à 10 minutes de la fin. Et le but est annulé. Stöckel lui aussi est catastrophé. Coup franc pour Young Boys. 7 minutes à jouer. Odermatt. C'est sur notre gauche des spectateurs saint-gallois. La première manifestation, ils ont négative à l'endroit d'une action de jeu. Manifestation de réprobation à l'endroit du coup franc tiré par Odermatt.
Riegel. Lorenz, Kutel peut juste récupérer pour Brutin. Brutin, Lorenz. Ah non. À 20 mètres, frapper une balle de la tête ainsi en espérant battre Schwepp, ça paraissait vraiment très 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 difficile. Stöckel, 6 minutes. Bettler. Schneeberger. Rechbull face à Schneeberger. Schneeberg, numéro très spectaculaire, mais la balle indique que M. Guignet était sorti sur sa trajectoire. Rechbull à Eichenberg. Odomat. Avec Hans Niegel. Joué, dit Monsieur Guignet. Ça n'est pas fini. Lorenz. La balle est bernoise, dit le linesman. C'est même un coup franc pour les Jambas. Les deux Saint-Gallois doivent reculer d'un demi-mètre à peu près. Odermatt, Stöckel, Brutin de volet et Graf et puis Kutel de volet si l'on ose dire. Et qui met cette balle sur orbite. Encore 4 minutes. Stöckel. Niegel. Brutin. Niegel. Avec Mast. Faute de Mast. Ries plonge, obtient un coup franc. Stöckel monte et je crois que l'arbitre a averti Mast. Je n'en suis pas certain, le geste de M. Guignet a été très très rapide. Stöckel est monté. Eichenberg debout des doigts. Bigler. C'est Bigler qui aurait pu égaliser. Sur le renvoi de Eichenberg qui lui aussi reste au sol. On revoit. La sortie d'Eichenberg. Et la balle va échouer dans les pieds de Bigler qui frappe de volet et qui met un mètre par-dessus la transversale des buts du gardien bernois. Eichenberg, Kurt Linder à peine détendu. Montetos dit faute à ses camarades. Il reste 2 minutes à jouer. Mast qui sort la balle. C'est-à-dire que Saint-Gall va pouvoir poursuivre son forcing. Fouts. Odermatt. Bigler pour Saint-Gall. Ah.
encore une minute à l'horloge du Wangdorf. Sommer est conscient que les chances diminuent de seconde en seconde. Fögele. Il ne faut pas que les Saint-Gallois se gênent. Ils sont tous, à l'exception de Bigler, dans le camp des Jambas. Mais c'est Stöckel qui devrait monter. C'est le plus dangereux. Odorata Redman. Redman Brutin qui a été fauché par Graf. Sous les yeux de M. Guignet. Le Brutin a été cueilli alors très très sèchement. Il y croit encore, l'entraîneur Sommer. Graf à Schwepp. Monsieur Guignet. Odomat. Odomat. Fögele. Odermatt, une petite pichenette pour Brechbühl. Une dernière remise en jeu pour les Saint-Gallois. Monsieur Guignet regarde sa montre. Odermatt failli servir Blättler. Et Seger frappe de volée. La balle va jusqu'au linesman de l'autre côté. Monsieur Guignet, à qui Brutin, je crois, remet le ballon du match, met un terme à cette finale. Young Boys a battu Saint-Gall par 1-0. Il y a 19 ans que le public bernois attendait cette minute-là. En 1958, en effet, Young Boys avait gagné sa dernière finale de coupe contre les Grasshoppers après deux matchs. Aujourd'hui, grâce à un but de Andersen que vous avez dans l'image, qui est danois. Grâce à un but de Andersen, Young Boys bat Saint-Gall 1-0. C'est la finale la plus dramatique pour Rolf Blättler que vous avez dans l'image à droite, qui deux fois déjà ici au Wangdorf avec Lugano face à Servette et avec Bâle face à Zurich a perdu la finale. Il l'a perdu aujourd'hui. Sa déception est doublée par le fait qu'à quelques minutes de la fin, il a marqué un but qui a été annulé. Et les Young Boys ont certainement justement emporté ce match au nombre d'occasions. Et si l'on tient compte de leur domination territoriale, qui a tout de même été assez certaine, mais ils ont eu beaucoup de difficultés à marquer par Andersen, qui est ici porté en triomphe, le seul but validé de cette rencontre. Il n'y a apparemment pas trop de déception sur le visage du président de la Confédération Kurt Vogler qui va remettre à Walter Eichenberg, gardien des Young Boys, le trophée Aurel Sando en jeu de cette finale de la Coupe de Suisse, 52e édition. Bon match de football, les Saint-Gallois valeureux qui ont racheté l'assez pénible impression qu'ils ont faite en certaines circonstances pour se qualifier. Ils ont fait ce qu'ils ont pu aujourd'hui. Et ils se sont créés un certain nombre d'occasions très nettes. Il y a tout de même un petit peu plus de footballeurs talentueux aux Young Boys. Young Boys qui a pressé Saint-Gall en deuxième mi-temps et qui a gagné, on peut le dire, je crois, à l'usure dans ce match extrêmement combatif, ardent et intense que nous avons vécu aujourd'hui. Und er wohnt ja jetzt auch in Bern. Er wird sich freuen, jeden Sieger. Und das ist in Vertretung seiner Mannschaft Kapitän Walter Eichenberger den Pokal übergeben zu dürfen.
Rechts haben Sie gesehen, SFV, Zentralpräsident Walter Baumann, dann ist auch IB-Präsident Slotsover oben auf der Ehrentribüne. Hier haben Sie ihn und auch für ihn ein verdienter Schluck. Olha aí, Sérgio!